Chevalier Teddy, passez de Courtrai au rouge et blanc pour planter souvent et se faire appeler le fou du village. Attaquant modèle capable d'étincelles, un peu provoque, ça dépend des fois. Si tu me crois pas, bah demande à les gars. Yo, roi Orléans peut en témoigner, ce chevalier dur de l'arrêter, il est comme ça le fou du village. Diek a dû sortir ses économies, voilà, et dit bien lui en a pris, 60% des buts viennent de lui. Tu célèbres en nous demandant de fermer nos grandes gueules, on comprend pas trop, mais on pardonne le fou du village. Fini les ventes mous, les saisons d'ennui, place à la lutte pour trouver l'élite et de quoi battre Dijon ou Paris. Quel gars ce fou du village, on sait, t'as kiffé Douillet Lance. Quel gars ce fou du village, on dit de ton QI des trucs pas jolis, mais vu qu'il est dit, on s'en branle. Le pénalty contre le PFC, on s'est tous dit, il va le rater, la lucarne il l'a bien démonté. L'enfant de Denain, la pression, il s'emballe les reins, il aboie Quentin, Lançois lui lance du fond des gradins. On dit qu'il marque sur coup de pied arrêté, demandez donc aux joueurs l'orienter, il les a tous très bien soulevés. En 2020, c'est la même lancée, Salah Narvi pourra l'arrêter, il va rattraper Kadewere.